Pariez gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez gagnant, votre émission de sport et de paris sportif. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. En route pour une nouvelle émission cette semaine. Alors au programme très rapidement, on vous parlera de Formule 1, de handball féminin, de rugby aussi. Et puis on fera un petit tour de Ligue 1, Ligue 2. Ce sera peut-être assez rapide. Et enfin, on aura en fin d'émission quelqu'un qui viendra nous parler de tennis. Nous serons avec Rémi au téléphone. C'est ça. Rémi qui est déjà venu dans l'émission. En vrai, comme au téléphone aussi. C'est ça. Vous l'avez déjà vu en vrai. On est d'accord. Vu c'est dans Paris gagnant. On fera un point Roland-Garros à quelques jours là, du début du tournoi. D'ailleurs, le tableau final, on connaîtra le jeudi soir. Ok. Voilà. Voilà. Bon, bah, comme ça. Vous l'aurez déjà quand vous écouterez l'émission. Alors, on va commencer par de la Formule 1. On va commencer par le Grand Prix surprise, le Grand Prix de Monaco. Ouais, pourquoi tu dis ça, Grand Prix surprise ? Bah non, parce qu'à chaque fois que je pense Monaco, je pense à Olivier Panis. Ah oui ! Oh là ! C'est vieux, hein, 96. Ah ouais, ouais, ouais. Et si tu te rappelles l'équipe Ligier Gauloise Blonde ? C'est vieux, hein ? Elle était belle, cette voiture bleue, là ? Ouais. Avec marqué Elf devant ou un truc comme ça, je crois. Ouais, c'était, ouais. C'était pas mal. Ouais, alors tu veux nous parler de Monaco ? Alors, tu as vu... On repart sur Ferrari ou quoi ? Non. Non, honnêtement, Ferrari a... En plus, je pense que Monaco-Ferrari, ça va être... Ça... Là, par contre, ça va être la cata parce qu'elles ont du mal dans tout ce qui est virage et tout ça. Courbe serrée, donc enfin, Monaco, il n'y a que ça de toute façon. Donc je pense qu'elles sont vraiment à la traîne. D'ailleurs, jouer contre Ferrari, voir s'il y a des face-à-face d'une écurie contre Ferrari peut être intéressante, bon, tout sur les cotes, hein, bien sûr. Là, j'ai rien à vous proposer, mais ça peut être intéressant de voir quand ça va sortir. Non, je vois, bon ben voilà, Mercedes, on l'a vu lors du dernier Grand Prix, gère bien dans tout ce qui est courbe. Donc ça, la voiture, elle est bien née pour ça. Derrière, on va avoir, enfin derrière ou peut-être même devant, vous allez avoir la team du français Pierre Gasly et du hollandais Verstappen. Alors Verstappen qui doit être content parce qu'il va y avoir un Grand Prix de Hollande. Il revient, le Grand Prix de Hollande. Alors je ne sais plus si c'est l'année prochaine ou l'année d'après, mais voilà, ça a été décidé. Donc Red Bull fait toujours bien à Monaco parce qu'elle a été conçue de telle sorte qu'elle est... voilà, tout ce qui est virage, courbe serrée, tout ça, c'est une voiture qui apprécie. Donc elle va sûrement faire quelque chose sur ce Grand Prix-là. La petite sœur, qui est un petit peu moins performante, mais c'est Toro Rosso, là, je pense qu'aussi les pilotes vont réussir à tirer leur épingle du jeu et ils ont des chances de aussi finir dans les points. Donc, à voir au niveau des cotes si ça peut être intéressant. Mais vraiment, là, oui, à l'inverse. De toute façon, je vous dis, le championnat, pour moi, il est normalement, il est terminé. Là, ça va être le coup de grâce, je pense, avec ce Grand Prix. Et Ferrari, je les vois pas faire grand-chose à Monaco. Par contre, s'il y avait des choses à prendre, Red Bull, les Toro Rosso, bon, les Mercedes, ça ne sert à rien de le dire parce qu'elles seront forcément aussi aux avant-postes. Mais voilà, il y a des petites... Monaco, c'est toujours aussi un circuit à part parce que je pense que c'est le Grand Prix préféré de... Enfin, celui qui a une âme. Enfin, voilà, je pense que s'il y a un Grand Prix qui disparaîtra jamais, c'est celui de Monaco. Ça, c'est sûr. Et, circuit en ville, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est mythique. Enfin, Monaco, tout le monde veut gagner la course là-bas. Donc, je vous rappelle aussi que le meilleur tour en course, celui qui fait le meilleur tour en course cette année, il gagne un point en fait au championnat. Donc, il y a des pilotes qui lorgnent sur ce point-là. Donc, ils essayent de choper le meilleur tour en course. Donc, voilà, il y a peut-être d'éventuelles choses aussi à faire là-dessus. Mais pour moi, Red Bull, Toro Rosso, à surveiller lors de ce Grand Prix. Voilà, les cotes, vu que c'était les essais libres en ce moment, les cotes sont fermées. Voilà, quand c'est les essais libres, les bookmakers ferment les paris, ce qui est un peu normal. Donc, à voir quand tout ça réouvrira, mais je sens bien quelque chose au niveau de ces deux teams, on va dire. Pour la Formule 1, on s'arrête là ? Bah écoute, là j'ai fait le tour, mais si vous avez un grand prix à suivre, c'est celui-là. En plus, on n'a pas de décalage horaire, c'est bien. Pour nous, Français, c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à être diffusé en clair.
Ouais, par contre, voilà, c'est un petit peu le petit problème. C'est ça le petit problème, il faut avoir Canal, quoi. C'est ça qui est chiant. Alors, autre affiche de ce week-end, ça va être la finale de la Coupe de France de hand féminin. Donc, on va avoir un Metz contre Brest. Hein, ça va finir par devenir un classique hein, ouais, dans le sport français. C'est ça. Donc, c'est ce samedi à 18h45 à Bercy, à Paris. Donc, alors, les Messines sont largement favorites. Hein. Tu dis, si je me trompe, championne de France avec leur 23e titre. Je regardais juste ça par curiosité. S'il y avait une meilleure équipe en sport co, en termes de titres. Et il faut aller regarder dans le volet. Où t'as Cannes avec 21 titres. Les femmes de Cannes, oui, bien sûr, ouais. Ça a été et le stade toulousain en rugby, forcément. Mais les Messines sont les meilleures. Mais c'est. Oui, c'est ça, c'est une institution dans l'ordre féminin. Alors, il y a eu un truc là qui s'est passé, ils ont quand même réussi à sortir Metz à 1,50 en début de semaine. Alors que moi et Dames, on voyait ça à du 1,15, 1,20, tu vois. Bon, je me suis précipité dessus. Hein. Voilà, j'ai donné aussi l'info dans le club. Pour moi, il y avait Valu, et puis, bizarrement, maintenant, c'est un 30. Donc voilà, ça s'est bien cassé la gueule, entre guillemets. Même un 30, c'est presque Valu. Ouais, pour moi, même un 30, c'est presque Valu. Alors, mais non, moi, personnellement, je vais attendre les. Les book.com, les book étrangers qui vont sortir ça. Parce que j'attends le handicap de Metz. Et Metz à 1,30, ça peut être intéressant parce qu'à 1,30, ça veut dire qu'on aura un handicap à moins 4,5, moins 5 pour Metz. Là, je le prends quoi. Donc je vais attendre tout ça, mais pour moi, il y a quelque chose à faire et la cote ne restera pas à 1,30 non plus. Donc si vous voulez, déjà une info, mettre dans un combiné, je vois. Pour avoir vu, j'étais au dernier match avec Dams de Brest-Nantes. Brest-Nantes, ouais. Qui valide leur troisième place, du coup. Voilà. Petite info, on va demander une wildcard en Ligue des Champions et on va y aller. Parce que, voilà, on a un des plus gros budgets d'Europe et vu la team et les joueuses qu'on aura normalement l'année prochaine. Bon, déjà cette année, on devait avoir une grosse équipe, mais dû à des blessures, ça gueulerait si ça se passait comme ça dans le foot. Oui, c'est ça, mais j'allais continuer. Non, mais j'allais dire, et des joueuses enceintes qui ne sont pas possibles dans le foot. Donc, ça a déréglé pas mal de choses dans l'équipe. Donc, cette année, c'était, on va dire, une année sans. Et je pense qu'on aura vraiment du mal à gagner cette Coupe de France. Pour moi, on ne peut pas la gagner, c'est pas possible. Metz fait partie du top 4 européen. Et je dirais même, pour moi, c'est la deuxième équipe d'Europe, même si elles ont perdu. À Gior. Non, même si elles ont perdu contre Rostov. En demi et perdu pour la troisième place contre Kristianstad. Pour moi, elles sont au-dessus de ces deux équipes-là. Voilà. Donc, pour moi, c'est le top 2 européen, Metz et Brest aujourd'hui. On est en dents de scie. De toute façon, on sent qu'il n'y a pas tout l'engouement. Moi, j'y vais pas cette année. C'est ça. L'année dernière, j'y étais avec la réception VIP sur la péniche. Tout à la fin, c'était exceptionnel. Grosse fête du slip. Quoi. Le mur blanc et tout ça. Voilà, j'essaierai de mettre un lien sur le mur blanc de l'année dernière. C'était assez extraordinaire. Regardez Bein Sport, hein, c'est retransmis sur Bein Sport, je crois. Ou l'équipe 21. Non, l'équipe 21, peut-être. L'année dernière, c'était l'équipe 21. Donc, c'est en gratuit si c'est l'équipe 21. À vérifier. Ouais, à vérifier. Je sais plus. Vu que moi, j'étais en direct l'année dernière. Et c'est un gros moment. L'année dernière, autant je savais qu'on allait battre Toulon, autant cette année, ça me fait chier de me déplacer pour une défaite. Donc, en tout cas, 1,50 pour moi, c'était belle value. Donc, je me suis servi. Voilà, 1,30, ça reste toujours value à mettre dans un combiné. Et trouver une autre cote à 1,30, ça ferait une cote à 1,69. Et pour le combiné du week-end, ça me paraît intéressant. On passe au rugby maintenant, où t'avais quelques, au rugby. Petites infos, tu nous amènes en Irlande aussi. Surtout qu'on arrive en fin de saison, l'info c'est plutôt ça. On arrive en fin de saison, donc tout ce qui est premiership anglaise, donc on appelle ça la Gallagher Premiership, rien à voir avec le chanteur d'Oasis, pour les connaisseurs. Je suis d'accord Pierre-Yves, toi qui es musicos. C'est ouais, ça bah, ouais. On est d'accord. Mais plus Liam que Noël, quoi. Tiens, d'ailleurs, ce serait bien qu'on mette sous la vidéo la dernière chanson que vous avez sortie avec ton groupe. Écoutez-la et puis donnez-nous, et vous mettrez en commentaire sous la vidéo, parce que c'est Pierre-Yves qui est à la batterie. C'est pas du rap. Pierre-Yves est à la batterie, et vraiment, c'est un groupe dans notre coin
qui a une certaine répute et ils font des choses pas mal. Donc vous pourrez aller voir ça. Donc pour revenir à nos moutons, Gallagher Premiership en Angleterre, ce sont les demi-finales. Voilà, qui vont opposer les champions d'Europe en titre, les Saris, les Saracens contre Gloucester. Alors, sans. Voilà, Saracens est gros favo. Le code tourne autour de 1,15. Et j'ai du mal à voir Gloucester, même si Gloucester, quand ils mettent leur équipe type, ce qui va être le cas, a une belle ossature. Mais je ne les vois pas résister aux Saris. Sachant que les Saris ont fait tourner la semaine dernière et que, voilà, ils ont perdu à Worcester. Là, ils remettent les gars frais. Et on a du Exeter qui a fini premier de la saison régulière contre Northampton. Voilà, Exeter a une belle team aussi quand ils sont au complet. Donc voilà, j'ai du mal à ne pas avoir une finale Saracen Exeter. Après, les codes sont un peu dégueux. Mais bon, c'est à voir si on ne mettrait pas dans un combo. Plutôt Saris que Exeter d'ailleurs. À mettre dans un petit combiné pour gonfler un petit peu ce combiné, ça peut être intéressant. Je ne m'engagerai pas vers des handicaps parce que voilà, c'est toujours des matchs comme ça. Une équipe s'en fout de marquer 20 points d'avance. Voilà, je n'irai pas sur un handicap un moins 15 ou un moins 12 Saris. Ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est pour la première chip. Entre les deux, je prendrais une victoire des Saracens, ça met dans un combiné, voilà, si je devais choisir. Et le rugby, nous avons la finale, Glasgow contre Leinster. Alors là, pareil, c'est dans le stade de Glasgow par contre. Voilà, Leinster favori a une cote autour de 1,50, ce qui est, on va dire, logique par rapport à ce qu'ils ont fait. Pour moi, ils sont favoris, mais j'ai un petit peu peur de l'état de fraîcheur du Leinster. Voilà, Glasgow ont récupéré des blessés. Ils vont être pour moi plus frais que Leinster. Donc voilà, j'espère que Leinster va gagner, mais je m'aventurerai pas trop dans ce match-là parce que j'ai un petit doute sur l'état de fraîcheur du Leinster. Même si j'avais Leinster en pari long terme, gagne le championnat, je pense que je vais me couvrir, je vais arbitrer. J'ai pas envie de prendre de risques sur ce match parce que Glasgow a vraiment ses chances. Voilà. Donc et en France, c'est la dernière journée de championnat. Voilà, avec un Clermont Montpellier qui vaut le détour. Montpellier doit absolument gagner avec le bonus offensif à Clermont pour être qualifié au play-off. Ce qui n'est pas gagné parce que je vois pas Clermont se laisser faire à la maison. Donc voilà, attendre les compos d'équipe. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là en fait. Voilà. On regarde un petit peu ce qui se passe du côté de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Alors bon, Ligue 2, championnat, c'est terminé. Ligue 1, il reste encore une journée. Je ne sais pas si tu as jeté un petit regard à cette prochaine journée. Toute façon, pour vous qui jouez en Argel, je crois que la majorité des matchs, de toute façon, je ne suis pas sûr que tu puisses vraiment y accéder. Alors en Ligue 1, pas de problème. Ah oui, bah oui, c'est ça. Ah oui, exact. C'est ça le problème de l'Argel. C'est pourquoi en Ligue 1. Alors vas-y, pourquoi en Ligue 1 tu as le droit et pourquoi en Ligue 2 t'as pas le droit. Vas-y, explique-moi. Je sais pas. J'en sais rien. J'ai pas l'explication. Je sais pas, parce qu'après il peut y avoir de la corruption en Ligue 2 pour Ligue 1. Non, mais après j'imagine que c'est le classement aussi donne plus des sous, de l'argent. Quoi. C'est ça. D'accord. Ok, donc ils estiment qu'il y a toujours quelque chose à gagner. C'est ça. Ok. Dire qu'une 7e place vaut peut-être mieux qu'une 13e financièrement parlant, quoi. Ça peut se tenir. Ça peut se tenir. Par contre, tu vas m'expliquer Camien Guingamp, de toute façon, ils ne peuvent pas gratter une place. Donc, explique-moi ce match-là. Justement, je pensais, moi, à ce Amiens Guingamp. Vas-y, explique-moi. 1,45 pour la victoire sèche d'Amiens. Ouais. Je me disais, clairement, là, Guingamp, c'est le gros bordel. Hein. Gourvennec ne sera pas entraîneur sur ce match-là. Ah oui, il part. Ouais. C'est fait du slip à Guingamp, c'est la déchéance, le chaos, tout ce que tu veux. Et, ça fait plaisir de dire ça. Ça fait plaisir de dire ça. Non, pas du tout. Non, je le dis d'une manière tout à fait neutre et distanciée. Même si mon affect est un peu heureux. C'est ça. Et puis Amiens qui doit valider absolument son maintien. Je dis victoire sèche d'Amiens. C'est... ton raisonnement se tient. Ta victoire sèche d'Amiens à 50. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout envie de placer mon argent là-dessus. Quoi. C'est ça le problème. Parce que tu vas me dire Caen doit gagner. Contre Bordeaux, allez, tu prends un 44, c'est bien. Puis Dijon gagne contre Toulouse, un 50, tu fais un combiné des trois. Je suis absolument pas sûr que les trois vont gagner. Non, mais je veux dire qu'à un moment donné, Amiens, pas forcément des foot de guerre. Après, avec toi, je suis d'accord. Ils doivent gagner s'ils veulent vraiment être sûrs d'être.
d'être sauvé, parce que c'est pas gagné. Hein. S'ils font match nul, je crois, et que Caen gagne derrière, ils prennent le strapontin de barragiste. Je crois qu'il y a un truc comme ça, non ? C'est ça ? Tu me confirmes ? Okay. C'est pas confirmé là, le maintien d'Amiens. Quoi. Non, mais c'est ça. Donc, je suis d'accord avec ton raisonnement, mais j'irai pas. Ok. Parce qu'ils peuvent pousser, ça peut faire un pauvre 0-0, même si Guingamp vient en claquette. On regarde un petit peu le match de barrage de vendredi soir. Oui, plus intéressant déjà. Avec 3 contre Lens. Est-ce qu'on aura autant de Lensois à venir à 3 dans l'aube ? C'est pas certain. Parce qu'il y a eu des belles images du... 7000, 8000, comment ils étaient ? Ouais, c'était pas loin de 10 000 Lensois qui ont débarqué à Paris, quoi. Truc de ouf, ouais. Ouais. Bon, du coup, ça leur a pas trop servi aux Parisiens. Faire éliminer. Ouais, mais par contre, à 3, je pense que tu auras beaucoup plus. Enfin, dans le stade, il y aura 3 quarts de 3 yards. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est parce qu'au PFC, ils n'ont pas de public, c'est ça ? Il y a un peu de ça. Bah voilà. Et moi, je voyais une qualif. Enfin, dis-moi ce que tu voyais. C'est pas que je voyais, mais quand je regarde les côtes et une qualification de 3 à 1,55, ça a l'air intéressant sur le papier. Alors on en discutait. Non, oui, hors antenne. Et moi, je t'ai dit, j'avais ce match dans le viseur. Mais moi, j'irai plus sur un draw no bet 3. Et je t'expliquais pourquoi. Parce que voilà, j'estime que 3 sur 90 minutes a toutes ses chances de battre Lens et de se qualifier. C'est possible qu'il y ait un match nul. Donc, s'il y a un match nul, je suis remboursé. Dans ce que moi, j'imagine dans le match, parce que vous avez quoi, l'état de fraîcheur ? Parce que les Lensois, là, mine de rien... Ils ont joué le 10, enfin ils ont joué le 17, ils ont joué le 17, ils ont joué le 21 et ils rejouent le 25, donc 3 matchs en même pas en une semaine quoi, enfin quelque chose comme ça. Bon, c'est des joueurs de Ligue 2, fin de saison. Alors on a beau me dire, ouais c'est des pros, excusez-moi, mais au bout de la 60e à mon avis ils vont baisser le pied, même si t'as l'émulation de ce match de barrage et de pouvoir aller jouer le 18e de Ligue 1 et de pourquoi pas monter. Mais 3 ils se sont reposés la semaine dernière, alors... Il y a deux écoles, il y a aussi, ouais, mais 3 va manquer de rythme, parce qu'ils n'ont pas joué, non, ils vont pas manquer de rythme, parce que le dernier match qu'ils ont joué, c'était le 17 mai. Donc voilà, ils ont joué, c'est juste eux, comme si c'était un match de championnat, quoi, en gros, tu vois. Donc ils seront toujours dans le rythme. Je dis avantage à 3, draw no bet 3. Draw no bet 3, ça doit faire du, vu les cotes, un 40, un 45, quelque chose comme ça, parce que c'est du 2-20, 2-30, je crois, la victoire de 3, et c'est en train de baisser. Et je te disais pourquoi, parce que si il y a match nul et que ça va après en prolongation tir au but, ça part en cacahuète. Bah ouais, c'est pour ça que la qualif, s'il se qualifie pas 3 dans le temps réglementaire, après lance ta pièce. Lance ta pièce, tu verras sur quoi elle tombe. Donc voilà, c'est pour ça que la qualif, j'y vais pas, même si la qualif elle est un petit peu, comment j'appelle ça, même si la cote semblait un petit peu plus intéressante. Je vais me fixer sur mon draw no bet 3. 3 pour tout vous dire et pourquoi sur les 10 derniers matchs, je crois que c'est qu'un match nul et c'est le dernier. C'est ça. Ouais. Donc avec un petit relâchement, ils s'en foutaient. Parce que voilà, Brest avait validé son ticket pour la montée et ça me fait plaisir de dire ça. Donc 3 c'est incroyable, c'est 1 2 3 4 5 6 je 7 8 9 10 11 matchs. 12 13 14 matchs, 12 victoires, 2 nuls. Bam, allez, prends ça. Et si vous voulez l'historique des 3 Lens, lors des 10 derniers matchs, aucune des équipes n'a gagné à l'extérieur. Il faut remonter en 2008 pour voir Lens qui va gagner à 3-1-0. Bon, même si ça a plus de valeur, hein, les trucs de 2008, parce que je pense que les mecs qui ont joué en 2008, il y en a plein qui ont pris leur retraite là. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà compliqué d'aller gagner à l'extérieur, même si t'as un engouement lensois. Pour moi, fraîcheur de 3. Meilleure équipe de 3, d'ailleurs ils l'ont prouvé sur la saison, voilà. Et voilà, je pense que c'est draw no bet, on peut placer son argent là-dessus. C'est pas la sécu sociale, on est bien d'accord, mais voilà, j'estime qu'ils doivent être au-dessus. En tout cas, ouais, on peut toujours se poser des questions sur ces questions, sur ces barrages, quoi. Ah ben moi, on se retrouvera avec le 5e. Si Lens gagne, on se retrouvera avec le 5e du championnat de Ligue 2 qui irait affronter le 18e de Ligue 1. En match aller-retour. Voilà le côté sportif. Voilà le parcours du coup. Ouais, mais après, t'es Lensois, t'es content qu'il y ait ça en fait. Tout dépend de quel point de vue tu te places. Là, Félix Bollaert, il est chaud quoi. Parce qu'attends, honnêtement, on a beau dire, mais Lens en Ligue 1, ça a de la gueule avec le public. D'accord. Ils ont chanté du Pierre Bachelet au PFC à 8000 quoi. C'est beau. Hein, les cours, voilà. Donc c'est un public quand même de ouf. Donc ce sera intéressant de les revoir aussi en Ligue 1. Mais bon,
À voir. On en 3 est pas lances, là. C'est parti. Ouais. Et on passe à la partie tennis avec le gros dossier. Maintenant, Roland Garros. On est avec Rémi au téléphone. Salut Rémi. Salut à toi Jean-Yves, salut à toi Benoît, j'espère que vous allez bien. Alors salut, c'est pas salut. Jean-Yves, c'est Pierre-Yves. C'est Pierre-Yves, pardon. Commence bien. Autant pour moi, Y. Non mais t'inquiète, on me l'a fait depuis que je suis né en fait. Tu vois, Pierre-Yves c'est trop rare, du coup les Jean-Yves, du coup ils se lèvent. Ça passe. Bon, ça va être bien. On part sur de bonnes bases, allez, ouais, go. Bon, en tout cas, on a un vrai tipster tennis, un roi de la raquette et de la baballe orange, jaune, pardon. Tu vois, moi aussi je suis un ce n'est que partie remise. Attendez les gars, si je peux me permettre Pierre-Yves, une fois que tu as joué longtemps sur ta battue, la balle devient un petit peu orange. C'est pour ça que... Ouais, je viens en aide. Alors, ça commence, c'est du haut vol quoi. Alors on a un petit peu de temps quand même, mais pas trop. Hein. On se dit un quart d'heure, 20 minutes pour parler de Roland Garros. Rémi, avant de te lancer sur une analyse et de nous parler un petit peu de tes petits favoris là sur cette prochaine édition de Roland-Garros. Représente-toi un petit peu quand même, parce que c'est plus Rémi de Corner 7, on peut plus dire ça. Ça a changé. Et oui, effectivement, ouais, la dénomination sociale de mon entreprise a changé, en effet. C'est donc money-times.net, mais je suis toujours Tipster Tennis, hein, ça n'a pas changé, bien sûr. En fait, c'est la boîte qui a changé, l'intérieur est le même. Voilà, exactement, c'est juste ça. Ah, c'est comme les Chocobéennes. Ouais, on s'était retrouvés, c'était pour le Masters de Bercy, non? Ou le Londres, celui de Londres, on s'était retrouvés l'année dernière. Oui, c'est ça, exact, l'année dernière. En 2018, c'était pour Londres. Là, on se retrouve pour la Terre, très bien, on a eu une très bonne saison de terre battue pour l'instant, on a eu un joli bouleversement avec des états de forme qui progressent plus ou moins, évidemment, quand je parle d'état de forme, je pense à celui de Rafa Nadal en premier, mais voilà, on parlera d'autres joueurs aussi qui sont intéressants. Pour l'instant, cette saison tennis se passe plutôt agréablement bien. On entame le deuxième grand chelem. Moi, je considère toujours qu'il y a une saison qui commence à partir, une autre saison qui commence à partir de Roland. Pourquoi? Parce que derrière, on enchaîne avec l'été et Wimbledon. Donc, on va avoir deux grands chelems qui s'échalonnent, enfin, qui sont très en fait. Et alors que les surfaces sont très différentes. Donc, du coup, faut vraiment, il y a des spécialistes d'une surface et de l'autre qui s'inversent très rapidement, tout de suite après Roland Garros. Donc, c'est très important de regarder un peu les états de forme, mais qui peuvent être complètement différents. Et ça va être intéressant de voir aussi comment les joueurs vont pouvoir se réajuster. C'est toujours, moi j'aime bien regarder à chaque fois comment les joueurs ils arrivent à échanger. Il y a des beaux coups à faire parce que les joueurs qui sont sur terre et qui arrivent et qui débarquent une semaine, deux semaines après sur le gazon, évidemment ils sont pas entraînés et donc évidemment il y a des petits coups à faire sur certains mecs quoi. Ok, non mais c'est vrai que c'est intéressant, il y a toujours cette transition terre battue, herbe après. J'adore en tout cas, c'est la partie de l'année que j'adore. Mai, juin, juillet, août, c'est la partie de tennis que je préfère de l'année. Donc, voilà. Oui, non mais je peux comprendre. Et donc là, il y a eu, il y a Roland Garros, généralement ça clôture un peu la saison de terre battue, hein, même s'il y en a d'autres. Alors qu'est-ce que, bon, on commence par qui? Rafa Nadal qui a un petit peu rassuré tout le monde. Ouais, voilà, il a rassuré tout le monde après Pinette pendant jusqu'à Rome. Voilà, il est arrivé à Rome, tout le monde l'avait un petit peu énervé en conférence de presse en lui disant Rafa t'as pas gagné, voilà, va falloir peut-être se bouger un peu. Tout le monde avait un petit peu peur du niveau de Rafa, donc finalement je pense qu'il a calmé quelques ardeurs là. Ouais, c'est ça. Dernière, il a montré un niveau assez déconcertant. Il a mis des bulles. Alors des bulles, c'est 6-0. Hein. Il a mis des bulles à un peu tout le monde qui passait devant son chemin. Donc à Djoko, non? Même Djoko en finale. Donc c'est pris. Il avait pas le temps. Donc voilà. Non, c'est intéressant de revoir Rafa à ce niveau-là parce que moi, je l'ai vu à Madrid, je l'ai vu à Barcelone. Clairement, j'ai un peu eu de la peine, quoi. Enfin, sincèrement, j'ai eu un peu de la peine. Et je l'avoue, hein, j'ai parié contre. Donc voilà. Et mon portefeuille s'en est réjoui. Donc, non, mais c'est voilà. Ça. Mais c'est intéressant de voir comment Rafa en fait, a programmé son état de forme, son pic de forme pour Roland. Et là-dessus, on peut que féliciter son staff. Parce qu'ils vont en fait, ils l'ont programmé uniquement pour Roland et ça s'est vu sur Rome où il était là en train de frapper la balle d'une manière assez incroyable, comme il l'est à chaque fois sur Roland en fait et voilà. Est-ce et donc, vas-y. Oui, c'est le favori numéro 1 malgré tout pour Roland Garros. Maintenant, la cotation,
N'est pas valide, voilà. N'est plus, parce que toi tu l'as vu à 3, il me semble. Mais il y a plusieurs semaines. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, par rapport à... En fait, ce qui a perturbé... alors toi, tu as parié contre, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fait avoir parce que normalement Nadal, généralement, il te fait, il attend pas Rome pour gagner un tournoi, d'accord, voire bien deux. Donc ça a dû faire perdre d'argent à pas mal de monde, je pense. Bien sûr, non, il y avait une stat, je l'ai plus en tête du tout, mais il y a une stat qui depuis, je crois que ça faisait quasiment 10 ans ou une dizaine d'années qu'il avait, que c'était pas arrivé en fait. Il gagne pas un tournoi sur terre battue, voilà. Que ce soit à Barcelone, Madrid, Rome. Donc voilà, là il a débloqué son compteur et on va dire au moment propice, clairement. C'est ça. Non mais ça, mais les stats c'est bien, mais ça fait pas tout. La preuve. Exactement. Là, on est d'accord. Ça peut aider. Ça peut aider, bien sûr, mais il faut pas se baser dessus. Il faut les utiliser, mais il y a plein d'ingrédients, plein de paramètres dont les stats font partie, mais il n'y a pas que ça. Alors. Gros favori Nadal, une cote autour de 2. Après, on a le joker Novak Djokovic entre 3-3,5. Bon, voilà, le garçon on connaît. Il a peut-être mis un petit peu là les soucis qu'il avait dans la tête par rapport à comment j'allais dire, son implication par rapport aux joueurs et tout. Je sais que Nadal, Federer sont pas de son avis, enfin voilà, par rapport à des choses, ils veulent faire évoluer le tennis, ils ont pas la même vision du tennis. Donc je pense qu'il a mis un peu ça de côté, et bon, Djoko va être là, hein, on est bien d'accord, vu son état de forme aussi. Deuxième favori, c'est pas illogique. Non, c'est pas illogique. Vainqueur de l'Open d'Australie cette année. Il arrive avec quand même un titre sur terre quand même, qui est le titre de Masters 1000 à Madrid. Tout le monde disait ouais, Djoko il vise que les grands chelems. Tout le monde dit grosso modo Roger, Rafa et Novak visent les grands chelems. Bah pas que, hein. Il gagne aussi des Masters 1000. Donc non, effectivement c'est un gros client, c'est un mur. Voilà, ça reste un mur. Il a eu 32 ans. Alors là, mercredi 22. Il a pété sa 32e bougie, ça va peut-être le motiver aussi à faire une belle apparition. C'est dommage qu'on n'ait pas les tableaux parce que les tableaux c'est ce soir, c'est pour ça que je précise. Voilà, ça va vraiment orchestrer tout ça. Donc là, je peux pas me positionner vraiment. Mais Djoko, dans tous les cas, sera pas dans la même partie de tableau que Rafa, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais ça va être intéressant de voir le parcours de Novak. Quel joueur il va pouvoir rencontrer, parce que s'il a que des terriens contre lui, quand je dis des terriens, c'est des joueurs qui sont spécialisés sur la surface, moi je les appelle les terriens, comme Carbales Baena, comme Diego Schwartzman, voilà, pour citer que eux rapidement là, mais voilà, ce sont, s'il a des joueurs comme ça qui peut l'embêter, aller prendre un set, etc. Voilà, on sait que les grands chelems, ça se gagne aussi sur la récupération. Oui. Ça se gagne sur le nombre de sets, le nombre d'heures que tu passes sur le court avant d'arriver en quart, demi-finale, quoi. Et donc c'est important de, on va dire, un peu expédier les matchs, les premiers tours, premier, deuxième, troisième tour. C'est important de qu'il y ait du 3-0 net et sans bavure. Et tout de suite déjà, ça fait peur à la concurrence. Et de deux, ça vous met dans un excès de confiance qui est assez bon et assez. On sait que voilà, un joueur de tennis marche énormément à la confiance, énormément sur l'état de forme du moment. On a vu Marco Cecchinato l'an dernier qui a fait demi-finale à Roland en battant d'ailleurs Novak Djokovic. J'annonce, il fera pas la même chose cette année. Non. Il est un petit peu dans le dur. Même si, ouais, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est un client hein, sur terre quand même. Il reste. Bien sûr, voilà, il reste intéressant. Mais oui, il fera sûrement pas demi. Hein. On connaît les Italiens, hein, avec Fognini. Voilà, qui lui a peut-être pris un peu, si je peux me permettre, le boulard. Et je suis pas sûr qu'il fasse grand chose en fait. Depuis qu'il a gagné Monte Carlo, ouais, il a pris le boulard. Alors Monte Carlo, ça a été un tournoi assez particulier quand même. Hein, Monte Carlo, voilà, parce que la finale c'était quand même Fognini Lajovic. Pour tout le respect que j'ai pour Lajovic, qui est un bon terrien, voilà, il se retrouve là un peu malgré lui, et voilà, il était dans son pic de forme, c'était sa semaine de grâce, tant mieux pour lui, tout est rentré, il a pris toutes les lignes qu'il a pu, bon ben voilà, hein, tant mieux, hein. Il y a des fois les joueurs ils sont en état de grâce et on peut rien y faire par rapport à ça, hein, donc voilà. Et c'est surtout que Roland c'est 3-7 gagnants et pas 2, et je pense pas qu'il ait la caisse. Donc, voilà. Et oui, c'est au meilleur des 5-7, ça change complètement le format, ça change complètement la chose physiquement et pour la récupération. Donc, on est d'accord, et c'est là que voilà, Nadal, quand les matchs allaient en 5-7, je crois que je sais plus, il y avait une stat, il en perdait pas beaucoup.
c'est une machine de destruction. Ouais, donc là, tout à l'heure, tu as dit l'âge de Djoko, Nadal, pareil, maintenant, il commence à avoir un peu son âge. Et Federer, bon, on passe vite fait, parce que Federer, il a pour moi aucune chance de gagner Roland. Voilà, il est plutôt en tournée, comment j'appelle ça, pas d'adieu, mais. Ouais, voilà. Même s'il est troisième à l'ATP. Oui, alors, il vise Wimbledon, donc c'est son jardin. Là, Roland Garros, ouais, ouais, il vient pour participer, basta. Mais pour moi, il fera rien. Vu que ça avance et qu'on est déjà certaines. On a déjà quelques minutes d'émission. Ouais, on si va on parler de la jeune génération. Non, juste Cosé Rapidou de Tsitsipas. Oui, bah, jeune ouais, génération, Tsitsipas, le grec. Ouais. Ouais, bah après on pourra parler aussi de Dominique Thiem, ça voilà. Je vais faire un petit. Allez-y, petit on parle maintenant, vas-y. Stéphanos, ouais, ben c'est un client, hein, clairement, un gros client, c'est sa terre, c'est sa surface de prédilection. Il arrive à Roland avec le plein de confiance, en faisant des finales parties par là, il gagne Marseille ou Montpellier, j'ai un doute là. Un petit tournoi, mais qui l'a bien mis pour la suite de la saison de terre. Donc non, Stéphanos, gros client. Moi, j'ai beaucoup d'attentes envers lui. Ça fait déjà 2 ans que j'avais vu que le mec, il avait un énorme potentiel. Il a une palette technique qui est assez incroyable. Et c'est un joueur qui j'adore. Il a une grinta, il lâche rien. J'ai du mal à le voir gagner quand même ce tournoi au meilleur des 5-7. Je le rappelle, sur un Masters 1000, c'est différent. C'est sur oui, une c'est semaine. Différent. Là, c'est sur une quinzaine. Avoir la caisse. Au meilleur des 5-7, faut avoir la caisse, faut avoir le physique. Voilà, donc c'est compliqué pour moi de le voir aller au bout. Malgré tout, on peut le voir en finale. C'est pas, il peut gagner un Novak, il peut gagner un Roger, il peut gagner un Juan Martín del Potro en demi-finale et se hisser en finale. Franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Idem pour Dominic Thiem. Ah, ça, c'est. Ouais. Que moi, personnellement, j'ai pris à 11. Alors maintenant, vous avez du 5. 6. Ouais, 7, ouais, ça, entre 5 et 7. Je l'ai pris avant Barcelone. Avant qui? Enfin, bien avant même, je l'ai pris on était au mois de mars quasiment. Donc avant la saison de terre, j'ai trouvé la cote bien trop haute. Là maintenant, je trouve plus trop de value, sachant les top forms qu'il a eu juste récemment. Mais attention, hein, Dominic Thiem, avec sa puissance et son revers de feu, l'année dernière, il a été finaliste. Donc il aura à cœur de conserver, au moins défendre un maximum de ses points. Donc voilà, j'attends beaucoup de Juan Martín del Potro également, qui lui a une demi-finale à défendre. Dans quel état il arrive? On a vu qu'il a fait un match extraordinaire à Madrid contre Novak. Donc voilà. Et puis ben, pour parler aussi, on peut parler de Félix Auger-Aliassime. Petite pépite qui se révèle cette année. Alors je ne pense pas qu'il se hissera loin, mais attention à lui, il peut aller gagner un petit huitième, un petit quart, ça va dépendre du tableau. Et puis Sacha Zverev. Grosse déception cette année, grosse déception. Beaucoup l'attendaient, moi le premier. J'aime beaucoup ce joueur, très grand serveur, voilà. Mais il y a un problème psychologique. Non, c'est un problème qu'il n'est plus avec sa copine. Ouais, ouais. Non, mais ça s'ajoute, je te promets. Tu nous refais une Memphis. Je te promets, c'est véridique. C'est véridique. Et mais forcément. Je pense qu'il y a un problème avec Ivan Lendl et voilà. Bah, Lendl. Je suis pas sûr que ce soit un mec très affectif en fait. Non, il est très bizarre avec Sacha Zverev. Des fois il va à des matchs, des fois il y va pas. Enfin bref, c'est un peu bizarre la gestion, la gestion relationnelle qu'ils ont tous les deux. C'est le Marcelo Bielsa. Voilà, moi je pense qu'il est capable de faire un quart demi. Maintenant compliqué parce que il a pas du tout de confiance. Et voilà, c'est quasiment impossible de gagner un grand chelem sans confiance. Bah oui, mais alors j'ai juste un petit bémol. Il avait été invité à Genève et s'il gagne Genève, pour moi, la confiance, il aura peut-être retrouvé un peu et il pourrait être plus détendu pour Roland. Là, il est en quart, je crois, à Genève. Bon, attention, hein, c'est un 250, il y a pas, je crois que c'est un 250, mais il y a pas grand monde. Si vous voulez, voilà, là, en gros, pour gagner le tournoi, il va falloir qu'il batte, allez, on va dire c'est qui le mieux placé, du Albot. Ok, d'accord. Donc, voilà, je mets le contexte. Il a battu du Gulbis, mais bon, le Gulbis, il court sur courant alternatif, on le connaît. Il y a pas, mais, je pense qu'il peut vraiment gagner. Là, il joue contre, je ne sais plus comment on dit, De Lienne. Bon, De Lienne, ouais, le Bolivien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense que s'il gagne Genève, il peut avoir repris de confiance et il peut faire un Roland-Garros correct. Alors, j'ai une stat. Historiquement, jamais personne qui n'a gagné un tournoi
Une semaine. Alors juste avant Roland Garros, on a gagné Roland Garros. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai pas dit pour gagner. Je pense qu'il peut, il peut faire. Pour lui, je pense que cette année, ça serait un moindre mal s'il pouvait arriver en quart, voire en demi. Ce serait déjà incroyable pour lui vu son niveau actuel. Il sauverait en partie sa saison. Alors, on lui dirait toujours, ouais, Sacha, t'as toujours pas gagné un Grand Chelem, mais au moins, bon. On lui dira, c'est bien, ça fait un quart, c'est bien. Déjà, oui, ça oui, pourrait ça. Être pas mal. C'est ça. Il y a quelques clients quand même. Donc, si tu avais une ou deux surprises vite fait. Sacha Zverev, moi, je l'ai, pour les francophones de l'étranger, je reprends ton expression et je la trouve très bien. il est à 37. Ouais. Je pense qu'il gagnera pas encore, voilà. Mais si vous avez un Sacha Zverev en quart ou en demi, je pense que ça doit se trouver, ça, peut-être sur des Bouchard Gel. Le problème pour que cette cote-là soit valable, il faudrait que Nadal saute. Parce que le problème, et si tu fais un Nadal Zverev en finale, bah, Nadal, il va avoir une cote toute pourrie à 1-2 et tu pourras pas couvrir. C'est ça le problème de ces choses-là. Mais bien sûr, là, la value, vu la cote qu'il a, voilà. Après, tu vois, il y a des gars qui commencent à se réveiller comme Schwarzman, mais j'y crois pas parce que pareil, il se fait défoncer en demi. Gaël Monfils, j'y croyais beaucoup, mais il arrête pas d'avoir des pépins physiques et donc ça va pas le faire. Et puis attention, pour basculer sur un peu vite fait les femmes, le duo Thiem Mladenovic, parce que Mladenovic sort avec Dominic Thiem, hein, je fais du people pour ceux qui ne savent pas. Pour moi, Mladenovic, je l'ai déjà pris, hein, je l'ai donné en pari long terme et tout, je l'ai pris à 100 moi, je l'ai donné aussi. Elle a Sacha Bagin, l'ancien entraîneur d'Osaka, et j'en ai parlé à l'émission dernière, et pour moi, elle peut nous faire un super Roland. Elle peut viser un quart, une demi. Alors je vais même aller au bout, hein, je rêve de ça, mais bon, bref, vu la cote que j'ai prise, parce que voilà, c'est un magicien, ce gars-là. Il vous transforme les joueuses. D'ailleurs, il a transformé Osaka, qui lui a fait gagner déjà deux grands chelems. Et pour moi, il est en train de transformer Mladenovic, qui est meilleur sur son revers, un meilleur coup droit, place les lignes, varie, ce qui est assez rare dans le tennis féminin, les joueuses qui varient leur jeu. Donc ça perturbe beaucoup les joueuses. Et elle a perdu l'autre jour contre Sakkari, qui est, on va dire, le pendant de Tsitsipas chez les femmes, voilà, même si elle est un peu moins bonne. Mais les Grecs, là, ils ont entre Sakkari et Tsitsipas deux bons joueurs, joueuses de tennis. Elle m'a un peu déçu parce qu'elle gagne le premier 7-7-5 et elle gagne, elle peut faire le break et tout, puis après elle s'écroule, elle se prend 8-9 jeux d'affilée. Voilà, donc, mais bon, tout ça, voilà, je suis à Roland Garros, c'est chez elle, c'est vraiment le tournoi qu'elle veut. Elle peut être gonflée à bloc et avec un magicien comme ça dans les tribunes, elle est capable de nous faire quelque chose, la petite Kiki. D'ailleurs, je crois que sa cote, elle a pris un coup parce que maintenant elle doit tourner autour de 40 ou 50. Voilà, alors qu'elle était à 100, même si ça fait pas en pourcentage une grosse différence, c'est déjà valu et tout dépend son tableau. Pour moi, elle peut aller là. Voilà, moi c'était, je faisais un petit truc sur la WTA. Il y a 15 joueuses qui peuvent gagner. Il y a plein de petits bobos. Serena, j'y crois absolument pas. Alep, elle a des petits bobos. Zaka, des petits bobos. Kvitova, des petits bobos. Voilà, vous avez, je sais pas comment. De joueuses qui ont des petits problèmes, donc c'est très très ouvert chez les femmes. Voilà, je verrai pour faire aussi un petit pari long terme là-dessus en prenant 4, 5, 6 joueuses à des cotes au-dessus de 10, peut être intéressant. Je sais que toi tu es plus ATP, donc voilà. Je m'occupe pas des femmes, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Mais voilà, faut se tenir informé des petits bobos et tout, comme tu as dit, parce que sinon vous allez au casse-pipe, sur la WTA en pré-tournoi, comme ça. Alors Rémi, pour conclure, je crois qu'il y a eu un événement aussi. Tu as sorti ton premier livre sur le tennis. Oui, tout à fait. Écoutez, oui, j'ai mon livre. Donc, alors, il s'intitule Parier sur le tennis, votre futur complément de salaire. Il est disponible sur Amazon. Vous pouvez le retrouver assez facilement. Ça fait déjà. Alors, il est sorti le 14 mai officiellement. Alors, il est trouvable que sur Amazon, d'accord. Donc, désolé pour voilà. Mais alors, vous pouvez l'avoir en format e-book et en format livre donc papier. Et tout ça pour moins de 10 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là ? Ben, il y a mon parcours, il y a mon expérience, il y a mes conseils, il y a les paris que je donne, qui me paraît à privilégier et qui me paraît à éviter. Je donne mes commandements, ma philosophie, je donne des points stratégiques qu'il faut, des bonnes bases. Voilà, j'ai eu de très bons retours sur ce livre depuis sa sortie, par les lecteurs. J'en suis très heureux ainsi. Et voilà, qui c'est un aboutissement, on va dire. C'est aussi pour ça que
peut-être Corner 7 est devenu Money Times, voilà. Bon bah écoute. Donc voilà, mais il y a tout ce que il y a tout ce qu'il faut pour bien parler Roland Garros et pas que, mais parce que c'est très global et c'est très sur, enfin c'est basé sur ça les tennis. Et ça, voilà, ça c'est tennis. Mais voilà, si vous voulez partir de bons pieds sur Roland Garros, ben n'hésitez pas. Peut-être bon, je sais pas si mon lien sera en description de la vidéo, je sais pas. Je pourrais le mettre, y a pas de souci. N'hésitez pas en tout cas si vous voulez, vous venez me voir, Rémi Money Time sur Facebook et puis on vous venez me parler et puis vous trouverez assez rapidement. Mais voilà, le livre. Parier sur le tennis, votre futur complément de salaire, c'est dispo sur Amazon. Moins de 10€, vous avez une énorme formation. Je pense que ça peut intéresser du monde, même des amateurs, même des gens qui ne sont pas forcément parieurs. Voilà, je donne des petites subtilités comme ça qui sont dans le monde du tennis. Je parle de certains joueurs qui sont bons à une certaine période de l'année, etc. Je donne des petites différences sur les surfaces. Voilà, un petit peu ce que contient ce livre. Bon bah écoute, bah nickel, merci en tout cas pour ton intervention. On verra si on faisait un petit truc pareil pour Wimbledon, ça pourrait être intéressant, on verra ça. Et puis bonne quinzaine de Roland, parce que tu vas être au taquet. Ouais, ça va être super, j'attends ça avec impatience et ça va, c'est vraiment top parce que moi à partir de Roland, il y a vraiment une saison qui commence une autre saison et ça va être super, ça va être top là cette quinzaine, ça va être incroyable encore cette année. Est-ce que Nadal va avoir la 10e? À voir. Bah en tout cas, on verra. Mais pour toi, j'espère pas, vu que t'as parié sur d'autres joueurs. Mais bon gain à toi, bon bénéfice et éclate-toi bien pendant 2 semaines. Ok Rémi, merci en tout cas. Merci. À plus tard. Salut. Ciao. Bonne fin de radio, les amis. Merci. Ciao. Bonne fin de radio. C'est quasiment terminé. Hein. On y est, ça y est, c'est parti. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Damien a eu un empêchement, il n'a pas pu être là. C'est pour ça que c'est juste en son, hein, sans les images. Il y aura les images la semaine prochaine. Puis bah écoutez. Et de quoi on va causer la semaine prochaine? Roland Garros. qu'est-ce qu'il y a la semaine? Non, la finale de la Ligue des Champions, voyons. Oh bah oui. Oh là, bon, hein, on va pas faire une émission là-dessus quand même. Bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Non, il y aura les play-offs aussi de rugby. Là, on verra un peu plus clair. Non, le tableau de Roland sera sorti, donc je reviendrai finale dessus. Finale NBA. Est-ce qu'on saura si Oui, je pense qu'on saura la finale. Il y a déjà Golden State et on verra qui aura en face. Pour l'instant, il y a 2-2. Hein. Est-ce qu'on Coupe du Monde des filles aussi? Non, absolument. Non, mais quand tu regardes. Non, mais attends, je t'explique. Quand tu regardes des matchs NBA qui sont à 3h du mat, tu te couches 5h. Enfin, voilà, ça commence à piquer. Donc, quand la série sera finie, là, de Portland, de Milwaukee, j'aurai quelques jours là avant que l'autre reprenne. Voilà, je ferai ça pendant ce laps de temps. Portland, Milwaukee. Pas Portland, Milwaukee, Toronto, Milwaukee, excusez-moi. T'inventes des conférences Je mixe un shaker. Non, parce que Portland, ils m'ont marqué, ils sont pris 4-0, mais dans les trois derniers matchs, dans les trois derniers matchs, j'ai gagné 14-15 points à un moment donné dans le match au troisième quart-temps, ils n'ont jamais pu en gagner une. Donc voilà, c'était assez hallucinant, mais des superbes matchs pour l'instant. On se régale au niveau NBA. Ce qui m'embête, c'est que c'est tard, quoi. Donc ça m'énerve, mais c'est à 3h du matin. En tout cas, vous nous dites s'il y a quelque chose qui vous intéresse, là, dans les compétitions de juin, juillet. Ah, et quelqu'un m'avait demandé de parler d'expected football. D'expected goal, voilà, je le dis comme ça. Alors ça paraît du charabia pour 99% des gens qui vont écouter. Oui. Mais on y reviendra parce que c'est vrai que c'est une stat un petit peu à la mode et c'est une stat qui va prendre de l'importance. On verra ça, je fais du teasing pour la semaine prochaine. Voilà. Tu fais bien du teasing. Impressionnant. Bon, bah à la semaine prochaine alors. Allez, à la semaine prochaine tout le monde, bye bye, ciao. Paris gagnant, émission de sport et du Paris sportif.